Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Assetto Corsa Competizione. Je reviens sur ce jeu parce que la vidéo précédente, je vous avais dit qu'il y avait une mise à jour, qu'il y avait des nouveaux skins, donc il y en avait 60. Et j'ai pas lu tout le descriptif et en fait, il s'avère qu'il y a deux nouvelles voitures de 2020. Donc je vais vous les montrer. Et ainsi le circuit de Imola en Italie, comme vous le voyez là. Et aussi donc comme je vous ai dit, des nouvelles voitures de 2020. Donc il y a cette Ferrari 488 GT3. On va la faire tourner. Voilà. Je vous montre. Bon, après, il n'y a que la face avant qui change. Voilà. Et au niveau des skins, je vais vous montrer. Moi, je vais garder celui-là. Il y a celui-là. Sauf que moyen. Je sais pas si ça a changé les skins au niveau des Ferrari. Je crois que celui-là y était aussi. Celui-là y était, je suis sûr. Enfin bref. Et on a aussi là, comme vous le voyez, donc ici, la Mercedes AMG GT3 2020. Donc il y a la Ferrari qu'on voit là en 2020. La Mercedes. Il y a deux bagnoles, plus un circuit. Donc voilà, je vais vous montrer skin, j'ai pas regardé encore. Ouais, bof. Après, je sais plus les skins de 2009, 2019, comment ils étaient. Ouais, panda. Ouais, c'est moche, ça. Ouais, bof. Voilà. Donc, nous, comme dit circuit italien, on va prendre la Ferrari et on va faire une petite course de 20 minutes donc sur ce circuit d'Imola. Comme d'habitude, je me mets en milieu de tableau, donc en dixième. Ah, il y a aussi les pneus aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi les pneus qui sont passés en Pirelli, qu'ont changé. Bon, moi, bon, après, c'est pas bien méchant. Donc voilà, on va se faire ça. Allez, on va se lancer. Stay double file. Allez, on se retrouve sur la grille de départ. On va voir ce que donne cette Ferrari 2020. Allez, green. Green light, give it all you can. Allez, c'est parti. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. On va essayer de pas trop attaquer au début à cause des pneus. Car on the right. Clear on the right. Allez. Déjà l'une d'avalier.
c'est bon. Allez, 7ème, on démarre bien. Ah, va bien cette petite Ferrari. Se place bien dans les virages, tout ça. Un bon petit comportement. Ici, je peux bien les prendre, ils freinent plus tôt que moi. C'était limite là. C'était juste là, hein, le freinage. Elle a tendance à s'ouvrir quand même un peu. Voilà. C'est juste là. Faut y faire l'arrière. J'ai pas pu l'avoir là. Putain, j'ai retardé mon freinage à la dernière minute. Ah, je sors plus fort là. C'est bon, il est derrière. Ouh, il était juste le freinage là. Allez, on va aller chercher le troisième, hein.
Allez. Full attaque. Je reviens tout doucement sur lui. Allez, aspire-moi. Voilà. Allez, troisième. Oh là là, le vibreur, il a failli partir là. Allez, on revient, on revient. Et ici, il faut que je sorte plus fort que pour me rapprocher ou prendre l'aspiration. Là, je suis un peu trop loin là. Ah, je vais l'avoir là, celui-là. Il ferme la porte.
Allez, lâche pas l'autre derrière, hein. Je vais l'attaquer là. Car on the right. Clear on the right. Voilà. Suffit d'être patient. Voilà. Oh, faut que je les lâche maintenant. Là, je passe mieux ici que... Bon, je leur ai mis un peu d'avance. Ah, elle est bien cette Ferrari, hein. Super comportement, hein. Elle est saine à piloter. Ah, c'est moi qui abuse là.
elle se place super bien dans les virages. Hein. Tendance à s'ouvrir quand on lâche l'accélérateur. Hein. Toujours laisser un petit filet de gaz. Hein. Un peu comme la Porsche. Quoi. Je les ai laissés un peu dans le vent là. Le carburant c'est juste. Hein. Eh ben voilà. Excellent job, man. What a race. E1. Bring it back home safely. Bon ben voilà, hein. Sympa ces petites Ferrari. Hein. Petite Ferrari 2020 là, bien sympathique. Hein. Super comportement. Bouge pas au niveau des freinages en appui, tout ça. Se place bien dans les virages. Voilà, quelques légers sous-virages, mais rien de méchant. Hein, c'est récupérable au volant, tout ça. Non, c'est sympa. Donc, bah, la prochaine, on verra dans la prochaine vidéo la Mercedes. On essaiera la Mercedes. Et on verra son comportement, ce que ça donne. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, commentez-la, partagez-la. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.